أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Maintenant, alors, il va nous expliquer, il a dit, le monde visible est une étape, est une marche, c'est un escalier qui peut nous conduire au monde invisible. Une autre explication aussi, regardez la suite. Cette analogie est suggérée par le fait que le temple fréquenté, Bayt al-Ma'mour, dont les cieux correspondent à la Kaaba. Le Bayt al-Ma'mour, il est au septième ciel. Il a donné un autre indice. Il a dit, le Bayt al-Ma'mour, il est au septième ciel. D'accord ? Allah a donné serment par la maison peuplée, dans Sourate At-Tur. Donc c'est un endroit sacré. La maison peuplée s'appelle Bayt al-Bayt al-Ma'mour. Elle est dans l'axe de la Kaaba. Dans l'axe. D'accord ? Dans l'axe de la Kaaba. Donc si tu enlèves six cieux, tu vas trouver sur la Kaaba des anges qui font des tournées. Et en bas, des pèlerins qui font des tournées. Bayt al-Ma'mour, ça ne représente pas le trône, non, c'est encore une autre chose. Ça, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc il y a les anges rapprochés qui font les tournées autour du trône, et des anges qui font des tournées autour de la maison peuplée. Ces anges, il y a 70 000 anges, chaque jour, ils font des tournées et ils partent. Ils ne retourneront jamais. Chaque jour. Regardez la grandeur de cette maison peuplée. Hein? Alors, pour arriver à voir quelque chose, à aller plus loin, comme on a dit, toujours penser à ces anges, à cette maison peuplée au septième ciel. D'accord ? Pensez. Le tawaf que les anges font autour du temple fréquenté, peuplé ou fréquenté, c'est la même chose, ressemble à celui que les êtres humains font autour de ce temple terrestre, la Kaaba. Est-ce que c'est clair ici, Arben? Imagine quand tu fais tawaf, il y a au septième ciel. Si tu montes, si tu prends un avion et tu montes dans l'axe de la Kaaba, tu vas trouver une maison peu fréquentée. Autour de cette maison, 70 000 anges font le tawaf chaque jour et partent. Et ainsi de suite. Après, d'autres, ils seront remplacés par 70 000 anges, et ainsi de suite. Cette maison, elle est peuplée par qui ? Par les anges. Par les anges. Lorsque le degré de la majorité des créatures se trouve amoindri au point de ne plus leur permettre de faire de telles tournées, on leur ordonna d'imiter les anges dans la mesure du possible. Est-ce que tu peux être un ange? D'accord, alors imite les anges. Tu ne peux pas être un ange. Mais attention, lui-même il a fait une petite remarque. Lorsque le degré de la majorité,
Donc il y a parmi les gens une minorité dont leur degré au niveau dépasse le niveau des anges, qui arrive à faire un tawaf meilleur, qui est meilleur que le tawaf des anges. Mais ça, c'est une minorité, c'est l'élite d'Allah Azza wa Jalla. Mais on parle de la majorité, de nous. Donc, vu que je n'arrive pas à faire ce tawaf comme un ange, hein, ça veut dire quoi comme un ange? Un tawaf où j'oublie, je pense pas, j'ai des doutes des fois, hein, d'accord, fatigué, les anges ne se fatiguent jamais, hein, ils ne sont jamais fatigués, d'accord, la pureté du cœur, tout ça, toutes ces qualités. Vu que je suis incapable d'être un ange ou faire comme les anges, j'essaie d'imiter, de tendre vers ce niveau, de grimper, de ressembler à ces anges, d'imiter ces anges. Est-ce que c'est clair? Donc, lorsque tu fais tawaf, en réalité, donc ça c'est un point. Tournée rituelle qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Voilà le canal qui conduit, oui, le canal, ça c'est entre le cœur et l'âme, et c'est un secret aussi, ça c'est un mystère, on peut pas. Mais ici, il n'a pas parlé d'un canal, il a dit c'est une marche. Ça, c'est en général en plus. Donc, comme j'ai dit, un escalier, vous voyez le premier ciel, septième ciel. Et tu montes. C'est comme ça. J'imagine, hein. Ça, c'est une. Vous avez dit aussi qu'on se mange jeune, mais on n'est pas déjà, en fait, on imite aussi les gens, je pense qu'on sera léger. Parmi les objectifs du jeûne, c'est imiter les anges. Les anges ne mangent pas, ne boivent pas et ne fréquentent pas. Donc, ça aussi, physiquement. Hein, oui. Mais le plus important chez les gens, c'est pas ça, c'est la lumière. Donc, j'essaie d'imiter, de m'inspirer. De recevoir la lumière des anges. La même chose aussi dans ce tawaf. Donc la première chose, on a vu le symbole, le monde visible. Donc on a donné juste un exemple, il a donné un exemple entre la Kaaba et la présence résidue. Alors, le premier point c'était la Kaaba, ça on a vu ensemble, la Kaaba, présence divine, présence seigneuriale. Un exemple, le corps, ça c'est le corps de la Kaaba. Le corps, et l'âme. L'âme, présence divine, les deux appartiennent au monde invisible. Le corps, comme la Kaaba, appartiennent au monde visible. Juste une petite analogie pour comprendre. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc le corps représente quoi? Représente l'âme. Il parle au nom de l'âme. C'est l'âme qui nous donne la vie. Hein? Notre réalité.
réalité, ce n'est pas le corps. Notre réalité est dans l'âme. D'accord ? La même chose, la réalité de la Kaaba, c'est la présence seigneuriale. Mais quel rapport entre le corps et l'âme ? Quel rapport entre la Kaaba et la présence seigneuriale ? Ça, on ne peut pas vous expliquer. Donc, mais on peut vous dire que le monde visible est une marche donc conduit vers le monde invisible. D'accord? Notez s'il vous plaît, pensez à ça, méditez. Ce que je vous ai dit, lorsque j'ai dit, je vous ai demandé d'écrire dans un carnet. L'objectif, c'est ça. C'est de mettre le pied à travers ce rappel, pendant le tawaf ou avant le tawaf, mettre le pied sur cette marche pour aller ici. Mon objectif, c'est ça. Répéter, 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 et peut-être, Inch'Allah, à un moment ou à un autre, les portes s'ouvrent devant toi. Et tu reçois une compréhension. Est-ce que c'est clair? Et cette compréhension, c'est le bonheur. Tu es là pour cette compréhension. Tu es descendu pour comprendre. Mais il faut balayer tout ces apparences, cette matérialité, pour voir ce décombre. J'appelle ça le décombre aussi. Pour voir en bas, tout trouver le trésor. Tout le monde vit dans les décombres, en train de lever une pierre. Regardez l'autre, il cherche, il est où tel trésor? C'est tonton, hein, comme ça. Oui, tonton, des fois. Il est où le trésor? Je vois la lumière, je vois quelque chose. Mais voilà. Donc, faites ce travail, c'est pas pour vous, vraiment pour vous charger ou déranger, c'est dans ce sens-là, la méditation. Pensez toujours. Il y a derrière cette cave, il y a quelque chose. Hein? Voilà. Troisième point. Cave en bas. Maison. Fréquentée. Septième ciel. Mais il ne faut jamais perdre espoir. Il ne faut pas dire, Cheikh, Allah, c'est bien ce que tu dis. Mais j'ai pas vu. Est-ce que c'est possible de voir? Moi, j'ai fait beaucoup de péchés. C'est pas pour moi ça. Moi, j'ai eu beaucoup de péchés. Et on a tous des péchés. C'est normal, il était pécheur avant d'être calife. Donc, gardez espoir. Vous allez voir, Inch'Allah. Il ne faut jamais perdre, garder toujours une bonne opinion concernant Allah. D'accord? La maison peuplée, il y a les 70 000 et tout, on a expliqué ça. Alors, quatrième point. Excusez-moi, quand on dit maison fréquentée, quand on a parlé de l'histoire des anges, en fait. Oui, oui, okay. Les 70 000. Okay. Juste pour se rappeler. Oui. Septième ciel. Après, j'ai dit. J'ai mis de qui? Les anges. Qui font le tawaf autour de la maison fréquentée. Écoutez, il ne faut pas souffrir là-bas. Il ne faut pas dire, ah, je dois apprendre par cœur. Je dois répéter ça 10 fois. Non, non, non. Avant le tawaf, lorsque l'imam vient
vous expliquer la Kaaba et tout ça, qu'est-ce qu'on vous allez faire techniquement, ou bien du'a, tout ça. Avant le tawaf, tu prends ton cornet, tu penses, tu dis, voilà, la Kaaba est comme ça, deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite. Une seule fois. Ça, c'est le minimum. D'accord ? Après, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui donne. Tu ne peux pas faire plus. Hein? Il ne faut pas vraiment que cette méthode devienne pénible pour vous. C'est un plaisir. Je veux juste comprendre. Voilà, la Kaaba pour moi, c'est un symbole. Il est comme ça, bon, bismillah. Et je commence. C'est tout. C'est clair? Et vous allez voir que votre tawaf devient vraiment très beau. Devient beau et tu auras du plaisir à faire le tawaf. Pourquoi? Parce que tu as compris. L'autre, il veut finir le tawaf. Pourquoi? Parce que... Voilà. Je ne parle pas, je ne juge personne. Hein. Je peux pas aussi... Cinquième point. ووعد بأن من تشبه بقوم فهو منهم. On a dit que la Kaaba visite celui. Non, attendez, avant ça. Lorsque le degré de la majorité des créatures se trouve amoindri au point de ne plus leur permettre de faire de telles tournées, on leur ordonna d'imiter les anges dans la mesure du possible. Donc la mesure du possible, c'est quoi? Ici. Les anges font cette tournée, moi je fais cette tournée. D'accord? Au niveau de la forme ici. C'est tout. Et on leur promit que ceux qui ressembleraient à certains seraient d'entre eux. Inch'Allah, après le tawaf, tu deviens un ange. Dans le sens, il va acquérir les qualités des anges. Ça, c'est l'objectif. Ça va. Je serai un ange parmi les anges, parmi ce groupe, parce que j'imite un groupe, j'imite des personnes. Hein? Je veux faire comme les autres, comme ces gens-là. Allah m'a promis, tu seras parmi eux. Moi, je ne suis pas savant, mais j'imite les savants. Le jour dernier, je serai parmi les savants. Moi, je ne connais pas le Coran par cœur, mais j'assiste au cercle d'apprentissage du Coran. Je n'ai pas réussi, à la fin de ma vie, d'apprendre le Coran, de mémoriser le Coran par cœur. Le jour dernier, je serai, Inch'Allah, parmi les récitateurs du Coran. Vous voyez ça? Ça, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jalla, cadeau. D'accord? Donc, même si tu n'as pas le niveau des anges, Inch'Allah, Allah t'élève à leur degré. Je serai, Inch'Allah, j'aurai le degré d'un ange ou bien d'un tawaf d'un ange. Moi, j'ai cru que c'était un ange parmi les anges. Voilà. Parmi les anges. Quand on dit comme ça, on parle des qualités. Tu deviens lumineux. Hein? La lumière, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces bonnes qualités. Piété, générosité, amour, qu'est-ce qu'on peut dire, magnanimité, toutes ces qualités. Hein? Parmi les anges, qualité ici, hein? Lumière. Et vous ne pouvez pas imaginer d'autres choses. Voilà, on a fini. On a fini.
fini ce passage. Le cinquième, le point qui nous reste ici, il a dit, on a dit que la Kaaba visite celui qui est capable d'effectuer un tel tawaf. Si tu arrives à faire le tawaf comme un ange, c'est la Kaaba qui vient vers toi pour faire le tawaf autour de ton cœur. Parce que la Kaaba, c'est des pierres. Et ton cœur, c'est de la lumière. On a dit que la Kaaba visite celui qui est capable d'effectuer. On dit que Rab' al-Adawiyya, c'est la Kaaba qui vient vers elle. Et on a dit aussi hier l'histoire de la Kaaba qui est venue vers Faustina aussi. Donc c'est possible ça. On a dit que la Kaaba visite. Et j'ai dit que la Kaaba souffre aussi de ses cœurs ténébreux. Donc elle bouge, hein. Faut pas le voir fixe, elle n'est pas fixe la Kaaba. En fait, c'est Allah Azzajalla qui va vers nous et qui s'éloigne aussi. Ou c'est nous qui s'éloignons de Dieu. Dieu est toujours près de ses serviteurs. On a dit que la Kaaba visite celui qui est capable d'effectuer un tel tawaf et tourne autour de lui. Ainsi que cela a été dévoilé à certains rapprochés de Dieu, gloire à lui et exalté soit-il. Voilà le tawaf. Est-ce que c'est clair tout d'abord? C'est clair, mais pas facile. Non. Il faut travailler. Oui, oui, oui. Je vous ai dit, ça, c'est des points à évoquer avant le tawaf. Et il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire, ah, Allah, Cheikh m'a dit, les portes vont s'ouvrir. Je vous ai dit, je ne sais pas quand. Il vous a promis. Je ne sais pas quand. Je ne vous ai pas donné une date. Hein? On n'a pas signé un contrat. On n'a pas signé un contrat. Donc, c'est Allah qui nous donne. Et on ne cherche pas vraiment à faire un effort et attendre directement le résultat. Après, il n'y a pas de sens. Et après, tu vas faire quoi? Voilà, les portes se sont ouvertes devant toi. Hein? C'est vrai, comme j'ai dit, Inch'Allah, tu vas voir des choses encore plus merveilleuses après. Alhamdulillah. Mais si Allah décide quand? Parce que s'il t'ouvre les portes maintenant, alors que la personne ne mérite pas, risque de perdre tout. Tomber dans l'obstination, voilà. Et donc c'est lui qui choisit le bon moment pour toi, Inch'Allah. Voilà pour. On va voir maintenant directement, on fait 5 minutes de pause, Inch'Allah. Et comme ça, on a fait le tawaf. Techniquement, on a les paroles et aussi les secrets. Inch'Allah, vous avez compris, c'était clair. Hein? Vous pouvez m'envoyer toujours des questions si y a des choses qu'on doit clarifier. Hein?